Chers participants, bonsoir à vous tous et bienvenue au cours de la formation aujourd'hui sous le nom des outils d'analyse du marché. Dans ce cours, vous apprendrez l'analyse SWOT, définition, analyse externe, analyse de l'environnement, analyse interne, l'analyse basée sur les ressources et enfin les avantages et les limites de l'analyse SWOT. Tout cela avec Dr. Charles Dean, membre du corps professoral de l'Université Middleton. D'accord, la parole à Dr. Chafetine. Dr. Chafetine, la parole est à vous. Vous pouvez commencer l'information. Merci, merci Malek. Donc, bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, nous aborderons le dernier outil d'analyse des marchés, appelé l'analyse SWOT. Donc, c'est un outil pour l'analyse stratégique et pour la planification stratégique et la prise de décision stratégique. Donc, l'objectif de cet outil-là est la planification stratégique, la prise de décision stratégique et l'élaboration de la stratégie d'entreprise. Donc, c'est ça l'objectif général ou bien l'objectif de l'analyse SWOT. Donc, qu'est-ce que ça veut dire l'analyse SWOT? Donc, c'est un outil utilisé pour évaluer l'environnement interne et externe d'une entreprise pour déterminer ses forces, ses faiblesses, ses opportunités et ses menaces. C'est ça la définition générale de l'analyse SWOT. Donc, l'analyse SWOT est un outil stratégique, comme je viens de dire, que c'est pour élaborer la stratégie de l'entreprise et pour aider à la planification et la décision stratégique de l'entreprise. Qu'est-ce que ça veut dire ici, le terme stratégie de l'entreprise? C'est l'itinéraire que l'entreprise poursuit pour avoir un avantage concurrentiel. Donc, c'est ça ce que ça veut dire un outil stratégique. C'est toutes les orientations globales de l'entreprise qui va lui permettre d'atteindre ou bien d'avoir un avantage concurrentiel. Donc, c'est un outil stratégique utilisé pour évaluer l'environnement interne et externe. Donc, qu'est-ce que ça veut dire évaluer l'environnement interne et externe? Il existe ici deux types d'environnement. Il y a l'environnement interne, c'est-à-dire, c'est l'entreprise elle-même, c'est l'ensemble de ses ressources, ses compétences, ce système de gestion, tout ce qui concerne l'entreprise elle-même, appelé l'environnement interne. Et l'environnement externe aussi, cet outil aussi permet d'évaluer l'environnement externe. C'est, qu'est-ce que ça veut dire l'environnement externe? C'est l'ensemble des forces. C'est l'ensemble des acteurs et c'est l'ensemble des facteurs qui peuvent impacter soit positivement, soit négativement l'entreprise. C'est-à-dire tout ce qui est externe de l'entreprise, comme des forces majeures, comme des facteurs, comme des acteurs, tout cela peut impacter l'entreprise. On appelle ça l'environnement externe de l'entreprise. Pourquoi maintenant on évalue l'environnement interne et externe? C'est pour déterminer les forces et les faiblesses, les opportunités et les menaces. Les forces et les faiblesses viennent de l'analyse de l'environnement interne de l'entreprise et les opportunités et les menaces viennent de l'analyse de l'environnement externe de l'entreprise. Je vais détailler ça plus tard. Alors, donc, d'où vient le terme SWOT? Quand je dis l'analyse SWOT, qu'est-ce que ça veut dire? Le SWOT. Ça, vient du terme anglais. SWOT. S, c'est qu'est-ce que ça? C'est strength, c'est-à-dire les forces. Le W, c'est pour les weaknesses ou bien les faiblesses. Et on a le O, c'est pour opportunities ou bien opportunités en français. Et dernièrement, le T, c'est threats ou bien les menaces. Donc, quand je dis SWOT, c'est-à-dire seulement les forces et les faiblesses, les opportunités et les menaces. Donc, quand je dis l'analyse SWOT, c'est toujours d'analyser ces quatre dimensions, les forces et les faiblesses de l'entreprise et les opportunités et les menaces qui viennent du marché. Alors, quand je dis les forces et les faiblesses,
Qu'est-ce que ça veut dire les forces de l'entreprise? Lorsqu'on analyse l'environnement interne de l'entreprise, on doit déterminer les forces et les faiblesses. Les forces, c'est l'ensemble des points forts ou bien les atouts que l'entreprise détient et qui lui donnent un avantage par rapport, ou bien un avantage concurrentiel, un avantage par rapport à ses concurrents. Comme par exemple, si l'entreprise a, par exemple, je dirais les fonds propres, a des grands fonds propres, c'est-à-dire des fonds propres très importants par rapport à ses concurrents. Cela lui permettra bien sûr d'investir plus. Peut-être que l'entreprise a des compétences particulières dans les ressources humaines, c'est-à-dire qu'elle a, pour les ressources humaines, elles ont des compétences très particulières par rapport à ses concurrents. C'est-à-dire, si vous allez au marché, vous ne trouvez pas les compétences que je détiens pour le moment. Et aussi que l'entreprise peut avoir, par exemple, une image de marque très forte. Si l'entreprise a un avantage de marque très forte, ça veut dire ça se considérer comme un point fort, ou bien c'est parmi les forces de l'entreprise. C'est-à-dire, c'est ce qui concerne l'entreprise elle-même. Et pour les faiblesses, c'est le contraire seulement des forces. C'est-à-dire tout ce que considérer comme des obstacles pour l'entreprise pour se progresser. Donc, c'est ça ce que ça veut dire, les faiblesses. Et comme le cas contraire, que l'entreprise, elle peut ne pas avoir, par exemple, assez de fonds propres pour investir et pour exploiter les opportunités. Ça considéré comme des points faibles. Et que aussi l'entreprise, peut-être, elle n'a pas de ressources humaines très compétentes. Ici, c'est considéré comme un point faible. Ou bien qu'elle n'a pas, par exemple, une image de marque très forte par rapport à ce concurrent. C'est considéré comme un point faible. C'est ça ce que ça veut dire, les forces et les faiblesses. Donc, d'où vient cette force et cette faiblesse? C'est pourquoi on détermine ces forces et ces faiblesses? C'est à partir de l'analyse interne de l'entreprise. Lorsqu'on analyse l'entreprise, on doit déterminer quelles sont les forces et quelles sont les faiblesses de cette entreprise-là. Pour les opportunités et les menaces, lorsqu'on évalue l'environnement, on essaie d'évaluer l'environnement externe de l'entreprise, c'est-à-dire tout l'ensemble des forces majeures, tout ça qui existe sur le marché, existe dans l'environnement de l'entreprise. Ici, on doit déceler, ou bien on doit déterminer l'ensemble des opportunités qui existent sur le marché, en même temps, s'il existe aussi des faiblesses sur le marché. Donc, qu'est-ce que ça veut dire les forces? Plutôt, qu'est-ce que ça veut dire les opportunités? Les opportunités, ce sont les points que l'entreprise peut exploiter sur le marché et qui présentent un point ou bien un avantage pour se progresser au point afin que l'entreprise accroître bien sûr son activité. C'est ça ce que ça veut dire une opportunité. Donc, c'est l'ensemble des points, ou bien c'est les points que l'entreprise peut exploiter sur le marché afin de se progresser. Qu'est-ce que ça, par exemple, si je veux donner un exemple des opportunités, s'il y a, par exemple, une croissance de le marché, par exemple, il y a la demande croissante. Donc, s'il y a une croissance dans le marché ou bien une croissance dans la demande, ça veut dire que ça, c'est une opportunité pour l'entreprise. Elle peut exploiter cela par le biais, par exemple, d'augmenter ses activités marketing, ses activités promotionnelles, afin de tirer plus de cette croissance qui existe sur le marché. C'est-à-dire qu'il y a une augmentation de la demande. Donc, ça est considéré comme une opportunité. Ou peut-être que, il y a une nouvelle loi stipulée par le gouvernement. Par exemple, qui stipulent, disent que, il y a des exonérations fiscales ou bien il y a l'élimination de certaines taxes pour les entreprises, ça considéré une opportunité pour l'entreprise pour augmenter sa rentabilité, sa profitabilité, parce qu'elle ne devra pas, ou bien elle ne doit pas maintenant payer ces taxes-là. Et donc, ça est considéré comme des opportunités qui existent dans le marché ou bien dans l'environnement extérieur de l'entreprise. Et qu'est-ce que ça veut dire maintenant, les menaces? Les menaces, c'est le contraire des opportunités. Ce sont aussi généralement les facteurs ou bien les points qui peuvent impacter négativement la croissance de l'entreprise. C'est ça ce que ça veut dire, les menaces.
Aussi, comme par exemple, je viens de mentionner que peut-être qu'il y a une décroissance de le marché ou bien stagnation de le marché. Ça est considéré comme une menace. Ou peut-être qu'il y a, par exemple, il y a une nouvelle loi qui stipule une nouvelle, par exemple, taxe pour nos entreprises. Donc, l'entreprise doit maintenant payer plus pour les taxes et les impôts. Ça est considéré une menace aussi pour l'entreprise. Donc, ça, c'est d'une manière générale. Qu'est-ce que ça veut dire, les opportunités et les menaces et les forces et les faiblesses de l'entreprise? Si on veut récapituler ça, donc l'analyse stratégique ou bien l'analyse SWOT, on doit faire une analyse interne et une analyse externe de l'environnement. L'analyse interne, on doit déterminer ou bien tirer les opportunités, plutôt les points forts et les points faibles de l'entreprise. Les points forts, c'est-à-dire les points que l'entreprise détient et qui a un avantage par rapport à ses concurrents, les points faibles, c'est le contraire. Et lorsqu'on analyse l'environnement externe, on doit tirer les opportunités qui existent sur le marché et aussi en même temps les menaces. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec les forces et les faiblesses, les opportunités et les menaces? Lorsqu'on fait une analyse interne de l'entreprise, on tire ou bien on détermine les points faibles et les points forts. Qu'est-ce qu'on fait le point fort? On doit maintenant baser, améliorer tous ces points forts afin de rester compétitif sur le marché. C'est ça l'action stratégique qu'on doit faire. Et si on a déterminé des faiblesses, on doit trouver une solution pour soit éliminer cette faiblesse, ou bien, si on ne peut pas l'éliminer, au moins de réduire son impact sur l'entreprise. Ça concernant les faiblesses. Et pour les opportunités, lorsqu'on analyse l'environnement externe de l'entreprise, on détermine les opportunités et les menaces. Qu'est-ce qu'on fait avec les opportunités? C'est seulement on exploite ces opportunités. Et il existe une opportunité sur le marché, on doit l'exploiter maintenant, parce que les opportunités ne durent pas. Et si on a des menaces sur le marché, si on a décelé qu'il y a des menaces sur le marché, quelle est la position stratégique qu'on doit avoir ici? C'est d'éviter ces menaces-là. Si on ne peut pas l'éviter, au moins, on doit atténuer ces impacts ou bien leur impact sur l'entreprise. Donc ça, c'est d'une manière générale l'analyse SWOT. Quand je dis l'analyse SWOT, on fait l'analyse externe de l'environnement et l'analyse interne. Lorsqu'on fait l'analyse externe, on doit déterminer les opportunités et les menaces. Et lorsqu'on doit faire une analyse interne, on doit déterminer les points forts et les points faibles de l'entreprise. Maintenant, commençons avec l'environnement externe. Comment analyser l'environnement externe? L'environnement externe, il y a deux niveaux. Il y a ce qu'on appelle le macro-environnement, il y a le micro-environnement. Le macro-environnement, ou bien ce qu'on appelle le modèle PESTEL, c'est l'analyse de l'ensemble des forces majeures qui impactent l'entreprise, ou bien les facteurs majeurs qui impactent l'entreprise. Ces facteurs sont déjà cités dans le modèle de PESTEL. C'est P pour les facteurs politiques, E pour les facteurs économiques, S les facteurs sociaux, T technologiques, E environnemental, L légal. Donc PESTEL, c'est l'analyse politique, économique, sociale, technologique, environnementale et légale. C'est ça le macro-environnement, c'est-à-dire au niveau global de l'entreprise. L'environnement global de l'entreprise, on appelle ça le macro-environnement ou bien le modèle de PESTEL. Le deuxième niveau de l'analyse externe de l'entreprise, c'est le micro-environnement. Ou bien, le micro-environnement, qu'est-ce que ça veut dire? C'est l'ensemble des acteurs qui ont un impact direct sur l'entreprise. Ici, on peut déterminer ça par les cinq forces de porteur. On a déjà vu cela dans la première séance de cette formation. Les cinq forces de porteur, c'est quoi? C'est la force de négociation des clients, la force de négociation des fournisseurs, la rivalité entre les concurrents, les produits de substitution et
les barrières à l'entrée à l'industrie. Donc, c'est ça généralement les cinq forces partagées. Je ne vais pas en détailler beaucoup sur cet aspect-là pour le micro-environnement, mais on va parler un peu des modèles du PESTEL. Donc, le modèle PESTEL, comme je viens de mentionner, les facteurs, ce sont les facteurs politiques, économiques, sociaux, technologiques, environnementaux et légaux. Les facteurs politiques, qu'est-ce que ça veut dire les facteurs politiques? Ce sont généralement les facteurs que le gouvernement, par exemple, détermine. Généralement, c'est le gouvernement, c'est la politique. Économique, c'est-à-dire Docteur, l'ensemble des... Oui. Oui. si vous pouvez répéter ce que vous venez d'expliquer, car votre son s'est coupé un peu. Où je dois commencer? Non, du même diapo, ce que vous venez d'expliquer, mais veuillez répéter, s'il vous plaît. D'accord. Très bien. Donc, dans le modèle de PESTEL, l'analyse de PESTEL, c'est P, c'est pour la politique, E, c'est économique, S, c'est social, T, technologique, E, environnemental, L, est légal. C'est quoi donc les facteurs politiques? C'est l'ensemble des facteurs que le gouvernement détermine. Qu'est-ce que, quand par exemple la stabilité politique, on trouve par exemple toutes les orientations politiques du gouvernement, tout ce qui concerne la politique du pays. Ça peut impacter soit directement ou indirectement l'entreprise. Ça, c'est les facteurs politiques. Les facteurs économiques, c'est deux mêmes choses, mais généralement, c'est l'aspect économique qui peut impacter l'entreprise, comme par exemple l'inflation. Comme par exemple la croissance économique, comme par exemple on trouve le chômage. Et tout cela est peu considéré comme des facteurs économiques qui peuvent impacter l'entreprise, soit d'une manière positive ou négative. Il y a les facteurs socioculturels, ce qui concerne toutes les caractéristiques de la société, en termes d'âge, en termes de sexe, en termes de la religion, en termes de culture, etc., etc. Ce sont les caractéristiques de la société. Pourquoi? Parce que cela peut aussi impacter l'activité de l'entreprise. Et on va voir comment. Il y a les facteurs technologiques, ce qui concerne tout la technologie, l'innovation technologique, et comment cela peut impacter l'entreprise. L'environnemental, les facteurs environnementaux, qu'est-ce que ça veut dire cela? C'est tout ce qui concerne l'écologie et l'impact de l'entreprise sur l'environnement et l'impact de l'environnement aussi sur l'entreprise. Et aussi, il y a les facteurs légaux. Le facteur légal, c'est toutes les lois, les aspects juridiques, réglementaires qui peuvent impacter soit positivement, soit négativement l'entreprise. Donc ça, un résumé de ce que ça veut dire le modèle du PESTEL. Maintenant, allons un peu plus en détail sur les facteurs politiques. Comme je viens de mentionner, les facteurs politiques, c'est-à-dire chaque pays a une politique spécifique, a des orientations politiques. Donc, cela peut impacter l'entreprise. L'entreprise ne peut rien faire face au changement politique, face aux facteurs politiques. Qu'est-ce que l'entreprise doit faire ici? C'est seulement de s'adapter. Alors, quels sont ces facteurs politiques? Tout d'abord, on trouve par exemple ici la stabilité politique. Qu'est-ce que ça veut dire s'il y a une politique stable? C'est-à-dire qu'il n'y a pas de changement dans les partis, il n'y a pas de changement, trop de changements dans les orientations stratégiques du pays, il n'y a pas de changement, par exemple, des pouvoirs dans les pays, par exemple, le changement du président, le changement des rois, etc., etc. Tout ça, le changement soudain ou bien le changement fréquent de la politique du pays, ça peut donner une image négative sur le pays et sur l'exploitation et l'investissement dans ce pays-là. Parce qu'on ne sait pas si il y aura de nouvelles lois, si il y aura par exemple du changement de la politique, s'il y a des problèmes politiques qui peuvent impacter négativement l'entreprise. Donc la stabilité politique est très importante pour les investissements des entreprises. Donc,
Lorsqu'il y a instabilité politique, cela est considéré comme une opportunité pour les entreprises. S'il n'y a pas une stabilité politique, à chaque fois il y a du changement dans le pouvoir, à chaque fois il y a changement dans les partis politiques, à chaque fois il y a des changements dans les orientations politiques. Donc cela peut impacter négativement l'entreprise et les investissements pour l'entreprise, surtout pour les entreprises étrangères qui veulent investir dans le pays. Il y a aussi un autre, par exemple, élément dans les facteurs politiques, c'est les barrières commerciales et les accords internationaux. Si je vous donne un exemple, par exemple, si un pays, par exemple, a des problèmes avec un autre, cela peut avoir des conséquences sur les échanges commerciaux de ce pays, entre ces deux pays-là. Donc, ça, considéré et peut considérer comme une menace pour les entreprises, surtout les entreprises, par exemple, qui ont l'habitude d'importer, par exemple, des produits ou bien des matières premières de ce pays-là. Et le cas contraire, s'il y a par exemple un partenariat politique entre deux pays, donc ça va faciliter les échanges commerciaux entre ces deux pays, peut-être par diminution des taux et des taxes douanières. Cela peut aider, considérer une opportunité aussi pour les entreprises d'aller et de nouer des relations commerciales avec l'autre pays. Donc, c'est ça ce que ça veut dire lorsqu'on dit des barrières commerciales et des accords internationaux. Donc, si, par exemple, une entreprise, un pays, par exemple, est adhéré à l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce, cela veut dire qu'il y a un libre-échange des produits et des services dans ce pays-là. Et cela peut inciter les entreprises à exporter vers ce pays ou bien importer vers ce pays, ou bien les entreprises qui sont au sein de ce pays d'importer facilement les produits. Donc, pour les entreprises exportatrices et importatrices des produits et des services, cela peut considérer comme une opportunité. Et le cas contraire, c'est par exemple, il y a des barrières douanières ou bien des barrières commerciales d'un pays, donc cela peut considérer comme une menace pour les entreprises dans le domaine d'import et d'export. Ici, si on veut citer les subventions et les aides, qu'est-ce que ça veut dire les subventions? C'est le montant ou bien c'est l'aide que le pays donne pour améliorer le niveau de vie de la classe moyenne et de la classe pauvre de la société. Donc, c'est ça ce que ça veut dire, les subventions. Maintenant, on peut trouver ce type de subvention dans les produits stratégiques, alimentaires stratégiques, comme le pain, comme par exemple le lait, comme par exemple le riz. Donc, tout cela, donc, ce sont généralement des produits stratégiques pour les pays. Donc, afin de ne pas augmenter trop les prix, donc, qu'est-ce que fait le pays? Le pays aide la classe moyenne et la classe pauvre de la société par des subventions dans les prix de ces produits-là. Par exemple, si une baguette de pain, par exemple, coûte en réalité, supposons, 1 $ ou bien 1 €, mais dans le pays, vous trouvez que la baguette, par exemple, souvent à 0,50, par exemple, 55 ou bien 5 ou bien 30 cents pour la baguette. Pourquoi? Parce que le prix, ce n'est pas le prix réel de baguette, mais ça, c'est le prix subventionné. Parce qu'il y a subvention, il y a une aide de l'État dans ce produit-là. Et aussi, on trouve, il y a des subventions, par exemple, dans des activités. Par exemple, on trouve quelques pays qui subventionnent beaucoup l'activité agricole. Elles subventionnent l'activité des agriculteurs, l'activité des pêcheurs, par exemple, ceux qui font la pêche. Et donc, tout cela est peut aussi considéré comme une opportunité pour les entreprises qui exercent dans l'agriculture ou bien dans la pêche, le secteur de la pêche. Et aussi peut considérer comme un point négatif, c'est par exemple, parce que généralement dans les produits qui sont subventionnés, il n'y a pas une marge de profit, il n'y a pas une grande marge de profit de ces produits-là. Par exemple, si vous achetez du pain à 0,50,
à 0,40, vous devez le vendre à 0,50. Donc seulement, vous profitez de 0,1 cent. Et donc ça, si on peut considérer aussi comme une menace, ou bien il n'y a pas une grande activité commerciale dans les produits subventionnés. Il peut avoir, comme je viens de mentionner, des points positifs ou bien des opportunités pour des entreprises qui exercent dans des activités subventionnées, comme dans, par exemple, le cas des agricultures. Il y a aussi les taxations. Qu'est-ce que ça veut dire? Les taxes, c'est le système des impôts et le système des taxes. Si il y a des taxes très hautes, par exemple, il y a une augmentation du taux des impôts, cela est considéré comme une menace pour les entreprises parce que ça va réduire la profitabilité des entreprises. Et s'il y a une diminution des taxes ou bien une exonération même fiscale, ça peut donner une opportunité pour les entreprises et pour leur profitabilité. Donc ça, généralement, c'est les facteurs politiques. Donc lorsqu'on analyse les facteurs politiques, on doit déterminer cela, où sont les opportunités ou où sont les menaces. Pourquoi on fait les opportunités? Pour bien exploiter ces opportunités. Et pour les menaces, on doit éviter ces menaces ou bien même atténuer leurs impacts si on ne peut pas éviter ces menaces. Passons maintenant aux facteurs économiques. Les facteurs économiques, comme par exemple ici la croissance économique, s'il y a une activité, si les entreprises ont des activités croissantes, il y a une augmentation dans la demande, il y a une augmentation dans les activités des entreprises, cela peut. Ça peut considérer comme une opportunité pour les entreprises parce qu'il y a toujours il y a une dynamique dans l'activité économique des pays. Et c'est le cas contraire, donc c'est considéré comme une menace, peut-être que parce qu'il n'y a pas une croissance économique, il y a une stagnation économique et cela peut impacter négativement l'entreprise. Les taux d'intérêt, qu'est-ce que ça veut dire les taux d'intérêt? Généralement, c'est le taux donné lorsqu'on octroie un crédit. Lorsque vous allez demander un crédit auprès de la banque, donc il y a toujours ce qu'on appelle un taux d'intérêt. Le taux d'intérêt, c'est quoi? Donc, c'est le taux qui vient avec le montant du crédit. C'est le coût du crédit. Lorsqu'il y a un taux d'intérêt très élevé, donc il y a le coût d'octroi du crédit sera très élevé, ça, considéré comme une menace pour les entreprises et même un empêchement pour les entreprises, surtout pour les entreprises qui veulent financer leur investissement et qui doivent avoir des crédits auprès des banques. Donc, maintenant, lorsqu'ils trouvent qu'il y a un grand taux d'intérêt, cela ne va pas leur permettre de bien investir dans ce pays-là. Et le cas contraire, donc lorsqu'il y a un taux d'intérêt très bas, ça peut inciter les entreprises à investir et à demander plus de crédit pour investir. Donc, bien sûr, pour investir dans leurs activités. Il y a ce qu'on appelle l'inflation, ou bien le taux d'inflation. L'inflation, lorsqu'il y a un taux augmenté d'inflation, ça veut dire que le pouvoir d'achat est très diminué. Et ça incite qu'il n'y aura pas de demande sur les produits de l'entreprise. Et le cas contraire, s'il n'y a pas d'inflation, ça veut dire qu'il y a un pouvoir d'achat et ça veut dire qu'il y aura une demande sur les produits et les services de l'entreprise. C'est ça ce que ça veut dire l'inflation. L'inflation, c'est l'augmentation du prix des produits et des services, bien sûr, par rapport à ce qui existe dans le marché. Il y a le taux de chômage. Parmi les facteurs économiques, on doit aussi déterminer le taux de chômage. Lorsqu'il y a un taux de chômage très élevé, l'entreprise ne va pas trouver de difficultés pour recruter des gens. Donc ça, c'est une opportunité. Et le cas contraire, si le taux de chômage est très faible, c'est-à-dire tout le monde travaille, l'entreprise aura de difficultés à recruter des gens. Et donc, ça est considéré comme une menace. Et enfin, le niveau de vie. Le niveau de vie, c'est le pouvoir d'achat. Lorsque le niveau de vie des gens est très bien, donc dans ce cas-là,
On peut dire que sera considéré comme une opportunité pour les entreprises parce qu'il y aura une demande. Et le cas contraire aussi, le vice-versa. Ici, par exemple, si une entreprise de luxe veut vendre ses produits dans un pays où le niveau de vie est très faible. Donc ça, c'est vraiment considéré de la folie parce qu'on ne peut pas vendre des produits de luxe dans un pays où le pouvoir d'achat est très faible parce que les gens ne peuvent pas acheter ces produits de luxe avec leur pouvoir d'achat. Et le cas contraire aussi, c'est la même chose. S'il y a, par exemple, le niveau très haut, le pouvoir d'achat est très satisfaisant, donc on peut facilement vendre les produits de luxe et pour donc les entreprises de luxe, c'est considéré comme une opportunité. Donc de cette manière-là aussi, on peut faire l'analyse des facteurs économiques. L'analyse des facteurs socioculturels ou bien sociodémographiques, on doit tout d'abord analyser les caractéristiques de la société en termes démographiques. Par exemple, l'âge. C'est une société, par exemple, vieillissante. Cela a des conséquences sur la vente des produits, par exemple, de santé, à des produits d'hygiène. Parce que la population vieillissante, donc, aura besoin plus de médicaments, plus de, par exemple, des produits d'hygiène, etc. Et le cas contraire, c'est la population est jeune, on trouve, par exemple, la demande sur des produits de santé, elle n'est pas très grande comme c'est dans le cas de la population vieillissante, mais il y a une autre demande, par exemple, c'est il y aura une augmentation sur les produits, par exemple, de loisirs, sur les produits technologiques, comme les téléphones. Et donc, comme par exemple, comme je viens de mentionner, la vente du jeu vidéo. Et donc, cela, ça dépend du secteur de l'entreprise. Si vous êtes une entreprise de médicaments, c'est bien d'implanter dans une société vieillissante. Si, par exemple, vous êtes une entreprise de loisirs, il vaut mieux d'aller investir dans une société jeune. Et comme ça, par exemple, même le taux de croissance, si la population a un taux de croissance très important de croissance, cela veut dire qu'il y aura une augmentation dans la demande et ça considéré comme une opportunité et vice-versa aussi. Aussi concernant les préférences du consommateur, leur style de vie, leur religion et leur croyance, tout cela peut impacter, considéré comme des facteurs qui est un peu socioculturel, qui peuvent impacter les opportunités et les menaces sur le marché. Je vous donne un exemple. Si, par exemple, une entreprise qui vend des vêtements traditionnels venus du Japon, et je veux vendre cela, par exemple, aux Comores, ça, c'est sûr que personne ne va acheter, même un ou deux personnes maximum. Donc, cela n'est pas considéré comme une opportunité. Si vos produits ne sont pas conformes au style de vie, ne sont pas conformes à la culture, à la religion de ce pays-là, donc ce n'est pas considéré comme une opportunité. Donc ce n'est pas la peine même pas d'investir dans ce pays-là. Par exemple, si vous voulez même vendre, par exemple, du porc, donc ce n'est pas la peine d'aller au pays musulman, parce que ce n'est pas considéré comme une opportunité. C'est le contraire. Et donc, c'est de cette manière-là on peut déterminer les opportunités et les menaces. Aussi pour l'éducation. Si la société a un niveau très élevé en éducation, cela veut dire que il existe des compétences sur le marché, dans le marché du travail. Donc, l'entreprise ne va pas galérer à trouver des compétences. Aussi, dans l'éducation, si la société est bien éduquée, donc le style de consommation et le mode de consommation changent. Et ça dépend du secteur d'entreprise. Donc, si le domaine, par exemple, le plus éduqué, généralement, il préfère la qualité des produits. Donc, on doit vendre dans une société bien éduquée, il préfère les produits de qualité, plus que les prix. Donc, ce sont des statistiques et de cela, de cette manière, on peut faire l'analyse des facteurs socio-culturels. Il y a les facteurs technologiques.
Ici, l'entreprise doit installer ce qu'on appelle la veille technologique. La veille technologique peut nous aider à déterminer, à être toujours prêt de ce qu'il y a de nouveautés dans le marché, en termes technologiques. Par exemple, la technologie de production, l'innovation dans les produits, etc., etc. Tout cela peut être considéré comme des opportunités sur le marché. On doit savoir s'il y a aussi des propriétés intellectuelles. Qu'est-ce que ça veut dire des propriétés intellectuelles? C'est comme les brevets, les licences que les autres entreprises détiennent dans le marché. Donc l'entreprise, qu'est-ce qu'elle doit faire? Elle doit acheter ses brevets pour fabriquer le produit. Ça, elle peut considérer comme une opportunité. Elle peut même considérer comme une menace si l'entreprise ne veut pas, par exemple, vendre les brevets. Ou si l'autre entreprise, par exemple, seulement a le monopole de produire ce type de produit-là. Donc, de cette manière-là, on peut faire l'analyse technologique. Aussi, la cybersécurité et la protection des données. Si le pays a des lois concernant la protection des données et la cybersécurité pré-rigide, cela peut considérés comme des menaces pour les entreprises, surtout les entreprises qui ne savent pas bien contrôler les technologies et les technologies de protection des consommateurs et les données sur les consommateurs. Il y a aussi les facteurs environnementaux. On doit déterminer, analyser les opportunités et les menaces concernant l'écologie, c'est-à-dire les facteurs environnementaux selon. Ici, on doit savoir les réglementations environnementales parce que ça change d'un pays à l'autre. Il y a des pays qui déterminent, par exemple, le niveau des émissions des gaz à effet de serre. Il y a des pays qui déterminent bien comment gérer ou bien faire la gestion des déchets, comment traiter les produits toxiques. Tout cela, on doit bien savoir, on doit savoir la veille, on doit établir une veille réglementaire pour savoir généralement les règlements environnementaux ou bien écologiques qui peuvent impacter l'entreprise. Il y a ce qu'on appelle il y a aussi le changement climatique. Ça peut avoir des impacts négatifs sur les sociétés ou bien sur certains secteurs de société. Par exemple, le secteur par exemple, des bois. Et s'il y a des incendies, s'il y a des changements climatiques très féroces, par exemple dans un pays, donc il y a une destruction massive des forêts, ça peut avoir des effets négatifs sur les sociétés dans le secteur des bois. Ou bien même si, par exemple, des entreprises touristiques et qui ont l'habitude, par exemple, d'établir ou bien d'investir dans des parcs d'attractions bien spécifiques et qui sont impactés par certains ouragans, bien certains incendies, cela peut avoir des conséquences négatives. Il y a la responsabilité sociétale des entreprises, ou bien le RSE. Ici, certains pays ou bien certaines sociétés généralement demandent d'avoir certains brevets, je dis, ou bien certaines certifications, surtout la certification ISO 14001, concerne la gestion ou bien le management des systèmes environnementaux, ou bien même l'ISO 26000 concernant la responsabilité des entreprises. Ici, comment prendre en considération tous les demandes et les aspects qui concernent les parties prenantes de l'entreprise? Quand je dis les parties prenantes, c'est-à-dire les fournisseurs, les clients, la société, les médias, tout ce qui a un impact ou bien peut impacter sur l'activité de l'entreprise ou l'activité d'entreprise peut impacter ces acteurs-là. On les appelle les parties prenantes. Et enfin, on doit aussi analyser les facteurs légaux. Les facteurs légaux, bien ce que concerne toutes les réglementations et l'aspect juridique dans le pays. Est-ce que cela peut impacter positivement ou négativement? Qu'est-ce qu'on doit? On doit savoir. Par exemple, ici, la législation du travail. Si on doit savoir la réglementation des salaires, sur les salaires, c'est-à-dire on doit savoir quel est le salaire minimum dans ce pays-là.
Comment on dit des conditions de travail, par exemple, les horaires de travail. Est-ce que 7 heures, 8 heures, 9 heures? Comment tout ce qui concerne les conditions de travail, les réglementations de travail, on doit les savoir. Si, par exemple, le salaire minimum est très grand et qui dépasse la capacité de l'entreprise, donc ça est considéré comme menace. Donc, ce n'est pas la peine que l'entreprise investisse dans ce pays-là parce qu'elle ne peut pas assumer tout. Si ça là. Aussi, il y a des règlements sur la protection des consommateurs concernant, par exemple, certains produits, les substances les ingrédients dans les produits. Cela donc peut impacter l'entreprise et l'activité de l'entreprise, surtout lorsque l'entreprise ne contrôle pas bien l'aspect de ces produits et la fabrication de ces produits. L'augmentation sur la vie privée, ici, la protection des données des consommateurs, surtout des entreprises technologiques, par exemple, qui ont des sites web, des entreprises qui utilisent des applications, ils ont tout cela, ils ont des règlements spécifiques pour protéger la vie des consommateurs. Et la responsabilité civile. Donc, chaque pays a des responsabilités civiles des entreprises, c'est-à-dire quels sont les droits et quelles sont les obligations de l'entreprise envers la société, envers ses clients. Donc, on analyse tous ces aspects-là, les aspects politiques, économiques, sociaux, technologiques, écologiques, environnementaux et légaux. Tout cela, on analyse cela. Et on détermine quelles sont les opportunités et les menaces dans cet environnement-là. Ça concerne généralement le macro-environnement. Pour le micro-environnement, deuxième niveau, c'est l'analyse des cinq forces de portée. Donc, ce n'est pas la peine d'aller plus loin parce qu'on a déjà vu ça dans la première séance de cette formation. Donc, les cinq forces de portée, seulement, on analyse les forces des fournisseurs, des clients, des concurrents, des produits de substitution et s'il existe des barrières à l'entrée dans l'industrie ou bien du marché. Et à partir de cela aussi, on détermine les opportunités et les menaces. Maintenant, on a déterminé les opportunités et les menaces. Ce qui reste, c'est de déterminer les forces et les faiblesses. Comment déterminer les forces et les faiblesses? C'est à partir de l'analyse interne. C'est-à-dire de l'analyse de l'entreprise elle-même. Donc, lorsqu'on analyse l'entreprise elle-même, on doit tout d'abord analyser les ressources de l'entreprise. Afin de déterminer si l'entreprise a des points forts ou bien des points faibles. Les ressources de l'entreprise, c'est-à-dire les ressources financières. Le niveau profitabilité de l'entreprise, sa rentabilité, sa liquidité, les fonds propres. Tout cela, est-ce que l'entreprise a une situation favorable financièrement? Les ressources humaines, qu'est-ce que ça veut dire? C'est le nombre de recrutements, le turnover dans l'entreprise, c'est-à-dire s'il y a par exemple beaucoup de recrutements, s'il y a beaucoup de sorties des employés et des travailleurs, cela est considéré comme un point faible parce que le turnover. Le taux de turnover est très élevé. Aussi, les ressources humaines, on doit déterminer si on a des compétences très importantes ou bien très spécifiques de l'entreprise par rapport à ses concurrents. On doit savoir aussi, ou bien déterminer les forces et les faiblesses dans les ressources physiques. Est-ce que l'entreprise a de la technologie très importante? Est-ce que l'entreprise a des installations et des équipements par exemple, très sophistiqués par rapport, par rapport aux autres concurrents? Aussi, l'entreprise, est-ce qu'elle a des ressources intellectuelles? Lorsque je dis des ressources intellectuelles, c'est la propriété industrielle. Est-ce qu'elle a des brevets? Est-ce qu'elle a des licences? Est-ce que l'entreprise est franchisée? Est-ce que c'est un franchiseur? Tout cela peut considérer soit des points forts, soit des points faibles pour l'entreprise. Si l'entreprise est dans une situation positive par rapport à ses concurrents, cela est considéré comme un point fort.
et le cas contraire est considéré comme un point faible. Donc, cela, on fait l'analyse des ressources. Deuxièmement, on fait l'analyse des compétences et des processus internes. Qu'est-ce que ça veut dire l'analyse des compétences et des processus internes? Les compétences clés, c'est-à-dire les compétences que l'entreprise détient et qui maîtrise bien par rapport à ses concurrents et que peut considérer comme un avantage concurrentiel. C'est ça ce que ça veut dire les compétences clés. Par exemple, il y a certaines entreprises qui savent très bien comment gérer, par exemple, l'activité marketing, comment gérer, par exemple, l'activité logistique. Si l'entreprise sait très bien comment gérer ces activités-là et ces activités sont considérées comme un point intrinsèque qui génère aussi des profits pour l'entreprise, cela considéré comme des compétences clés. Il y a ce qu'on appelle l'efficacité des opérations. L'entreprise doit avoir des compétences nécessaires pour bien gérer ses opérations. Lorsque j'ai des opérations, c'est-à-dire la gestion de sa production, de diminuer bien les coûts, d'augmenter la qualité, de gérer bien ses stocks, de gérer la chaîne d'approvisionnement, tout cela est considéré comme des opérations de l'entreprise. Donc, la bonne gestion de ces opérations peut considérer un point fort par rapport à ses concurrents. Aussi, la gestion de la qualité, c'est-à-dire la satisfaction du client, et être conforme aux normes. Et donc, cela aussi, on doit tirer quels sont les points forts et les points faibles de l'entreprise. Donc, dans ces ressources-là, sous l'analyse interne, lorsqu'on détermine les points forts et les points faibles, on doit savoir si vraiment ces points forts, est-ce que sont considérés vraiment des points forts. Ces ressources, bien, ces capacités ou bien ces compétences doivent être premièrement précieuses, doivent être rares et difficiles à imiter et à substituer. Qu'est-ce que ça veut dire précieuse? C'est-à-dire que ces ressources-là ou bien ces compétences-là peuvent faire face à des menaces ou bien en menace des concurrents et en menace de l'environnement externe. Comme par exemple, si vous avez une image de marque très forte, même s'il y a des fluctuations dans la demande ou bien fluctuations dans les prix, vous pouvez faire face à ce problème parce que vous avez une grande image de marque ou bien une image très forte par rapport aux concurrents. Même s'il y a des fluctuations du prix, vous pouvez faire face à la guerre des prix très facilement. Même j'augmente mes prix, le consommateur reste toujours satisfait de mon produit. Le consommateur toujours achète mon produit parce que j'ai une grande image de marque. Ça, ils sont considérés comme des ressources précieuses parce qu'ils peuvent faire face au changement de l'environnement. Il y a aussi les ressources doivent être rares, c'est-à-dire seulement votre entreprise qui détient ces ressources-là. Comme par exemple, vous avez une technologie très sophistiquée et cette technologie, c'est seulement si vous qui la développez. Ou bien c'est seulement si vous qui savez comment gérer, comment produire ce produit-là. Ça, considéré comme des ressources rares. Il y a les ressources aussi, doivent être difficiles à imiter. C'est-à-dire qu'il y a certaines ressources, comme par exemple les ressources humaines. Les ressources humaines, les compétences humaines, on ne peut pas imiter ça. C'est parce que c'est intrinsèque, ça colle seulement à l'entreprise elle-même. Donc ça, considéré comme des ressources difficiles à imiter. Ce n'est pas n'importe qui peut imiter ce que vous faites. Et même la technologie, par exemple, si vous avez une technologie, comme je viens de mentionner, c'est très difficile à imiter. Donc c'est considéré comme une ressource très importante qui peut ou vous pouvez avoir un avantage concurrentiel par rapport à vos concurrents. Et enfin, c'est-à-dire que
Vos ressources doivent être difficiles à substituer. C'est-à-dire, même si le concurrent ne peut pas imiter, ne peut pas, vos ressources sont rares, est-ce que votre concurrent peut substituer ces ressources par d'autres moyens, par d'autres ressources? Si vos ressources sont considérées difficiles à imiter, même votre concurrent ne peut pas trouver un substitut de votre ressource, ça considéré comme une ressource clé, une ressource qui peut vous donner un avantage concurrentiel. C'est ça ce que ça veut dire, difficile à substituer. Surtout, par exemple, si vous avez un brevet sur un produit et vous n'autorisez personne à produire ce produit-là, ça considéré comme une ressource difficile à substituer. Parce que si vous êtes le seul qui détient ce produit-là. Donc, ça, globalement, comment déterminer les ressources, plutôt les forces et les faiblesses de l'entreprise à partir de l'analyse interne de l'entreprise. Maintenant, d'une manière générale, quels sont les avantages et les limites de cet outil-là? Tout d'abord, parmi les avantages, c'est qu'elle a une vision complète. Vous savez que ce SWOT-là récapitule tout. Les outils qu'on a déjà vus précédemment. Parce que il est exhaustif, il détermine toutes les opportunités qui existent sur le marché, politique, économique, sociale, etc., etc. Et détermine aussi les forces et les faiblesses de l'entreprise, c'est-à-dire il prend l'ensemble de l'environnement de l'entreprise et essaie de l'analyser. C'est ça ce que ça veut dire, une vision complète. Parmi l'avantage de cet outil-là, c'est la prise de décision, et plus particulièrement la prise de décision stratégique. Comme je viens de dire au début de cette séance, c'est que cet outil-là a pour objectif de déterminer la stratégie de l'entreprise, pour la prise de décision stratégique de l'entreprise, pour la planification stratégique. Donc, ça, c'est un outil très important. Pour établir une stratégie, on doit avoir quelles sont les opportunités à exploiter, quelles sont les menaces à éviter, quels sont les points forts à exploiter aussi, et quels sont les points faibles pour bien l'améliorer ou bien essayer d'atténuer ces points faibles-là. Donc, c'est ça généralement les avantages de cet outil-là. Il y a des limites de cet outil. Tout d'abord, c'est le manque de priorisation. Il ne vous donne pas un guide, il vous donne pas un guide pour prioriser vos décisions. Il ne dit pas, par exemple, cette opportunité est plus importante que l'autre, ou bien cette menace-là est plus importante que celle-là. Ce point faible, il n'est pas très important par rapport à l'autre. Donc, cet outil-là ne vous donne pas ce guide. Ça, c'est parmi les limites de cet outil-là. La subjectivité, une autre limite de cet outil, la subjectivité, c'est-à-dire la personne qui évalue l'environnement, c'est ça qui se concerne à lui-même. C'est-à-dire, c'est lui qui détermine l'environnement présente des opportunités ou présente donc des menaces, ou bien l'entreprise a des points forts ou bien des points faibles. C'est sa décision à lui. Et ça peut avoir des erreurs d'évaluation. Par exemple, vous pouvez évaluer l'entreprise de cette manière-là et vous voyez que cet outil-là est considéré comme une menace, cet outil-là est considéré comme un point faible. Alors, quand je viens, moi, non, je dis, ce n'est pas un point faible, c'est considéré comme normal. Ou bien je vois, non, cela est considéré pas comme une opportunité, c'est cela qui est une grande opportunité. Donc, ça est sous la subjectivité de la personne qui évalue ou bien qui est en train d'évaluer l'environnement de l'entreprise. Ça, c'est parmi les limites de cet outil-là. Parmi les limites aussi de cet outil-là, la dépendance à la qualité des données. Ça dépend les données que vous collectez. Si les données sont vraiment fiables
et valide, vous pouvez déceler des opportunités d'une manière correcte. Et s'il n'existe pas de données fiables et valides, donc vous ne pouvez pas déceler ou bien déterminer les opportunités, les menaces, les forces et les faiblesses de l'entreprise. Donc ça dépend de la qualité des données et la fiabilité et la validité de ces données-là. Lorsque les données sont erronées, donc l'évaluation sera aussi erronée. Donc, je vous remercie si vous avez donc toujours des questions. Je suis là pour le répondre. Okay, je vous cède la parole, Malek. Vous êtes là? Merci infiniment à vous, docteur, pour tous vos efforts. Pour ceux qui ont des questions, veuillez s'il vous plaît soit lever la main, soit l'écrire sur le chat. Pas de questions? Tout est clair? Donc, à la fin du cours d'aujourd'hui, docteur, voulez-vous ajouter quelque chose? Il y a une question, voilà, je pense, sur la Les barrières BBI, commerciales. Les barrière barrières. commerciale. Elle veut dire sur les barrières commerciales. Oui. Donc, lorsqu'il y a, par exemple, un problème entre un pays et un autre, par exemple, disons que c'est un problème politique. Cela a des conséquences sur les échanges commerciaux entre ces deux pays-là. Donc, par exemple, le cas, peut-être qu'un pays dit que je vais augmenter les taxes douanières de 20% jusqu'à 60%. Ou bien même, il peut couper les relations commerciales entre ces deux pays. C'est ça ce que ça veut dire, les barrières commerciales. Donc, lorsqu'un pays a des problèmes à un autre pays, il peut établir ou bien il peut faire des barrières commerciales afin de affaiblir les échanges commerciaux entre ces deux pays. Ou bien le cas contraire, lorsqu'il y a des alliances, lorsqu'il y a des partenariats très importants entre les deux pays, aussi ça peut faciliter les échanges commerciaux entre ces deux pays. Par exemple, on peut ouvrir les frontières totalement, pour qu'il n'y aura pas même des taxes douanières. Peut-être que les échanges entre les pays, soit les produits ou bien les services, circulent facilement, il n'y a pas de problème. Donc, c'est ça ce que ça veut dire, les barrières commerciales. J'espère que j'ai bien expliqué le concept. Super, donc pour ceux qui ont des questions, veuillez s'il vous plaît soit lever la main, soit l'écrire sur le chat. Je pense que personne n'a de questions et que tout est clair. C'est clair à tout le monde? On est sur la bonne voie? Soyez pas Ouais, timide, hein? j'espère. Je pense que nous avons répondu à la plupart des questions et que tout est clair pour les participants. À la fin du cours d'aujourd'hui, docteur, voulez-vous ajouter quelque chose? Non, je vous remercie. Non, je crois que ça, c'est la séance avant-dernière. La prochaine séance, on voit comment collecter les données. Comment collecter les données afin de faire l'analyse, l'analyse des outils d'analyse sur le marché. C'est seulement la collecte des données, c'est les entretiens, sur de faire les questionnaires et tout cela. Donc, j'espère que je serai présent. Il y a, normalement, je crois qu'il y a une autre question. Sur le cas de Oui, OMC, quels il y a sont une les question, il y a inconvénients? une nouvelle question, docteur. Vous avez raison. Sur le cas OMC, quels sont les inconvénients sur un pays qui ne produit pas des produits capables de vendre ailleurs? Oui, donc
Pour adhérer à l'OMC, il y a toujours des conditions. Pour l'Organisation mondiale du commerce, il y a toujours des conditions. Ces conditions, si on peut remplir ces conditions, on peut adhérer à l'OMC. Mais il faut prendre en considération qu'il y a des avantages et des inconvénients. Dans votre question, vous cherchez seulement les inconvénients. Les inconvénients de l'OMC, c'est lorsque vous ne produisez pas de produits, lorsqu'un pays il n'a pas de produits, il ne produit pas les produits, elle n'a pas la capacité d'exportation, cela est considéré un point négatif pour les produits. Parce que qu'est-ce que ça va avoir comme des effets négatifs sur la capacité de payer à faire face ou bien à augmenter sa capacité de production à des investissements au sein de l'entreprise. Comment cela? Les autres pays peuvent exporter leurs produits vers votre produit facilement. Donc, et cela seulement, vous achetez leurs produits, vous achetez leurs produits si vous avez bien sûr des échanges, si vous avez de la monnaie, si vous avez, je dirais, des devises pour acheter tous ces produits-là. Mais le point négatif, c'est que vous ne pouvez pas établir des investissements qui vont faire face à ces produits-là et produire des produits qui vont faire face à ces produits-là, surtout en termes de concurrence. Par exemple, si vous voulez, par exemple, maintenant, produire un produit dans votre pays et qu'il existe un produit étranger, dans ce cas-là, vous devez concurrencer ce produit-là en termes de qualité, en termes de prix. Mais ça, c'est très difficile lorsque vous investissez pour la première fois et pour vous arriver à un niveau de qualité et au niveau du prix, au même que le produit importé, c'est très difficile. Cela peut impacter négativement les investissements nationaux du pays et vous restez seulement un pays importateur. C'est ça le point négatif de l'adhésion à l'OMC. Donc ça, c'est point négatif. Le point positif, c'est quoi? Lorsque vous êtes un pays qui fabrique ses produits par lui-même, donc dans ce cas-là, vous pouvez exporter facilement vos produits vers d'autres pays. Et vous générez bien sûr des profits et vous pouvez avoir des réserves et des réserves de change, etc., etc. C'est ça le point positif. Alors, le point négatif, c'est lorsque vous n'êtes pas un producteur. Donc, ça peut impacter votre capacité à investir dans le pays parce que vous ne pouvez pas faire face dès le début à concurrencer ou bien faire face au même niveau de qualité, au même niveau de prix que les produits concurrents. Et comme un avantage, lorsque vous êtes vraiment un pays producteur, vous pouvez adhérer à l'OMC et exporter votre produit facilement. Donc, ça dépend selon le cas du pays. Si le pays est un pays qui produit ses produits pour lui-même, donc ça, c'est bien. C'est un avantage. Le cas contraire, si le pays ne produit, s'il n'a pas de produits propres à lui-même, donc cela est considéré comme un inconvénient d'adhérer à l'OMC. J'espère que vous avez bien compris. C'est une philosophie et donc. Super. Donc, pour ceux qui ont des questions, veuillez s'il vous plaît soit lever la main, soit l'écrire sur le chat. Donc, je pense que nous avons répondu à la plupart des questions et que tout est clair pour les participants. Merci infiniment à vous, docteur, pour tous vos efforts. Merci aux participants pour avoir participé au cours de la formation d'aujourd'hui. Attention, 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 nous n'avons pas encore terminé notre formation. Nous vous verrons, Inch'Allah, la semaine prochaine, le mercredi à 19h selon l'heure locale de l'Arabie Saoudite.
pour le dernier cours de cette formation. Donc, soyez disponibles et soyez à l'heure. Vous pouvez également suivre les dernières actualités concernant les séminaires, formations, ateliers, concours et l'inscription au programme d'études de l'université via le compte officiel de l'université sur Facebook, le groupe WhatsApp, les activités étudiants, encore le site web. Merci à vous tous. Nous vous verrons, Inch'Allah, la semaine prochaine. Ou encore demain avec le marketing digital qui est à 17h selon l'heure locale de l'Arabie Saoudite, ou encore le dimanche avec le dernier cours de la formation de découvrir les librairies Python pour la data science, ou encore le mercredi avec le docteur Sharafuddin Mohamed. Ou encore avec le dernier cours des meilleures pratiques pour une communication efficace et engageante et plein plein d'autres activités, de formations, d'ateliers et de concours qui viendront bientôt. Merci. Totalement inspiré à s'inscrire dans nos programmes d'études de l'université. Vous pouvez jeter un coup d'œil sur le site officiel de l'université et vous inscrire et voir ce que nous avons dans chaque programme et qu'est-ce que vous allez apprendre. Nous ne loupez pas la chance d'avoir une étude complètement gratuite par l'université Midotion. Merci à vous tous. Nous vous verrons sur la semaine prochaine. Nous vous souhaitons une excellente soirée. Au revoir.